fait maintenant 8 ans que nous réalisons un événement qui s'appelle Kick-off commercial, qui a lieu en général au mois de juin. Donc cette année, avec le Covid-19, eh bien, nous n'avons pas pu évidemment réaliser cet événement qui rassemble chaque année 1300 personnes. Donc nous avons organisé la Digital Week du 5 au 9 octobre. Et donc on a décidé de réaliser en fait ce plateau télé chez SCC à Nanterre. Donc c'était vraiment à Paris. Donc on a installé un plateau télé pendant 7 jours, une équipe technique qui s'est adaptée aussi à des lieux dans lesquels ils n'avaient pas du tout l'habitude d'être. Et donc ce nouveau cap, puisqu'on a décidé de l'appeler changeant de cap, il était important, je pense, pour nous tous. Comme toujours chez SCC, notre force est l'adaptation. C'est pourquoi cette année, dû aux différentes annonces faites sur le territoire national, nous avons lancé notre premier événement 100% virtuel. Sans pour autant sacrifier les interactions entre nos experts et nos clients, c'est pourquoi on a mis en place un système de questions qui était relayé directement par notre journaliste Jeanne Baron sur le plateau. Le partage étant dans l'ADN de SCC, on a mis en place différents concours, mais surtout un don à la Fondation de France. Pour chaque client connecté plus d'une heure, 50 euros est reversé à la Fondation. L'expertise technique SCC était également au cœur de cette semaine. Nous avons agrémenté nos plateaux télé d'un écran simultané, d'un duplex avec l'ombre et d'un plateau en réalité augmentée. Tout au long de cette semaine, SCC a encore démontré qu'elle était capable de s'adapter, d'évoluer et d'innover. Le Digital Week, en quelques chiffres, 1300 auditeurs, 31 plateaux télé, 65 intervenants, 5 plateaux clients, 15 experts de SCC. Donc aujourd'hui, c'est un beau chiffre, un vrai challenge, un challenge qui s'est fait avec beaucoup d'optimisme, beaucoup de positif. Je remercie vraiment toute l'équipe technique, mon équipe, la direction, les collaborateurs. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine. On croise les doigts pour enfin se retrouver sur du présentiel à un événement au mois de juin 2021. À très vite.